Bonjour à tous, dans ce tutoriel nous allons voir comment écrire des numéros de téléphone dans un tableur. Vous avez constaté, si vous avez déjà essayé, quand on écrit le 05 46 42 50 12 dans le tableur et que l'on fait entrer, le 0 ici devant le 5 disparaît. Donc nous allons voir comment mettre un 0 devant ou comment mettre des espaces ou des points ou même carrément tel point, etc. Donc nous allons recopier ici avec la poignée des téléphones fictifs. Et vous voyez, je vais prendre ma cellule sur laquelle je veux appliquer le format avec un 0 devant. Pour cela, je vais dans Format, Cellule. Ici, je remonte, je prends défini par l'utilisateur et je vais prendre ici, je vais mettre tout simplement 10 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous voyez qu'apparaît ici, tout simplement, voyez, le 0. C'est aussi simple que cela. Maintenant, si on veut mettre des espaces, eh bien, ça va être un petit peu différent. Alors, vous voyez, si on veut l'appliquer à toute la colonne, je vais prendre ici mon pinceau pour cloner le formatage et je vais l'appliquer ici à tous mes numéros de téléphone qui maintenant démarrent avec un 05. Maintenant, si je veux utiliser ici des espaces entre mes numéros pour une meilleure lisibilité, je vais sur ma cellule, Format, Cellule, et ici, je vais utiliser les guillemets avec espace, guillemets, espace. Je referme avec des guillemets, je remets guillemets, espace, guillemets, ensuite guillemets, espace, guillemets, et je clique sur OK, et vous voyez que désormais, mon numéro ici s'affiche avec des espaces qui améliorent la lisibilité. Pareil, si je veux copier ce style, eh bien je fais le pinceau et voyez, je vais le copier ici. Maintenant, si je veux des points au lieu des espaces, parce que ça me convient mieux, je fais la même chose, clic droit, cellule. Ici, au lieu de mettre un espace, je vais simplement mettre un point, tout simplement. Alors attention, pas le point du clavier pavé numérique, parce que sans ça, ce serait une cellule. Comme ceci, vous voyez, j'enlève l'espace et je mets à la place un point, tout simplement. Et vous voyez qu'on a un numéro de téléphone avec une séparation avec des points. On peut faire la même chose, effectivement, avec téléphone devant. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va par exemple copier ce style ici. Je le prends, je le copie ici, je vais dans Format, Cellule, et ici devant, je vais mettre entre guillemets tel point. Je ferme les guillemets, je clique sur OK. Alors évidemment, là, s'affichent des petits dièses. Pourquoi? Parce que ma largeur de colonne n'est pas adaptée. Maintenant, je clique ici, je tire, et apparaît ici la mention téléphone avec mes numéros séparés par des espaces. Voilà, à bientôt pour un autre tuto.